Dans la région de Bakoua hier, elle a placé des barrages pour inspecter les voitures. Plusieurs automobilistes ont été interpellés. Chabine Zouzir, Christelle Lebras. La mobilisation des effectifs de la police aux environs de la gare de Bakoua a débuté vers 18h. Lors de cette opération, les policiers ont procédé à des contrôles de routine. Il s'agit de vérifier si tous les documents sont en règle et de s'assurer que les consignes de conduite sont bien respectées. C'est un crackdown opération qui vient mettre à jour par le DCD de Central Division. Et moi-même, en charge de l'opération, ça, l'opération, y compris, il y a plusieurs unités qui en a, il y a IRS, il y a DSU, il y a CID, il y a SU, un job d'opération. Alors là, ici actuellement, il y a une mobile force en compagnie avec DTP qui veut faire un check. Un check de véhicule pour tracter les gens qui boivent au volant. Et là aussi, il nous fait gagner un condamnation là, que les gens peuvent avoir un improvised pipe. Ça, improvised pipe, c'est un instrument qui nous servit pour faire un ganja. Alors, nous faisons un arrêt là, pour faire une procédure. Une opération policière qui donne des résultats. Les hommes en uniforme interpellent un motocycliste pour possession d'un bong. Vu que c'est un motocycliste là, tu fais venir passer un fort. Au final, arrête-le pour un check de routine. Et comme on fait une question rider là, je parais un peu suspect. Et quand on fait une fouille, nous faisons un bong dans ce sac qui est utilisé pour faire une ganja. Et cet instrument-là, c'est la vie pour m'a dit, elle nous prépare cannabis, on va mettre là-dedans et je te filme. Et je filme Gandia là-dedans. Et apparemment, nous devons faire une fouille approfondie avec ce monsieur-là. On veut qu'il vous retrace si nous avons cannabis. Et là, il faut au possible qu'il soit capable d'avoir cannabis avec lui. Nous vous recheckons, nous fouillons monsieur-là profondément. Et puisqu'il va de la sécurité de chacun, les automobilistes disent accueillir favorablement cette initiative de la force policière. Un sentiment plus de sécurité parce qu'il y a un contrôle des routines. Ça y apporte du bien. Et c'est la même chose aussi. Que policier est capable d'expliquer nous un peu plus qui c'est la bonne faute, c'est la bonne chose, qu'il explique nous plus bien. On trouve nous bien en sécurité, oui. Je trouve bien intéressant. Et moi, je n'ai aucun tracas parce que tout le monde a fait en règle. En vue de décourager tout comportement à risque, la police prévient.